Si vous avez déjà préparé des frites, alors vous savez que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, les pommes de terre, les épices et l'huile sont tout ce dont vous avez besoin. Mais est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit de demander pourquoi vos frites maison sont si différentes de celles des restaurants fast-food comme McDonald's? En fait, toutes les frites ne sont pas faites de la même manière. McDonald's utilise 14 ingrédients dans leur célèbre recette de frites. Mais les frites de McDonald's sont-elles vraiment des pommes de terre? La personne qui a découvert la réponse à cette question était Grandi Mahara de l'émission télévisée Mythbuster. Quand ils ont visité l'usine de l'Idaho où McDonald prépare ses frites, et à l'aide de la rétro-ingénierie, il a pu découvrir de quoi ces frites ils étaient faits. Voici une liste abrégée des ingrédients. Patates. Huile de canola. L'huile de soja. L'huile de soja hydrogénée. Arôme naturel de bœuf. Blé hydrolyssé. Lait hydrolyssé. Tertiary butylhydroquinone, TBHQ. Diméthylpolysiloxane. Dextrose. Dans cette longue liste d'ingrédients, trois d'entre eux se distinguent. 1. Huile de soja hydrogénée. Le mot soja peut rendre cet ingrédient sain et naturel, mais ce n'est vraiment pas le cas. Même à lui seul, l'huile de soja n'est pas un très bon choix car elle est riche en un type de graisse qui est déjà trop présent dans le régime alimentaire américain typique. Pourquoi les gras trans sont les pires ? Les graisses trans augmentent la production de substrats pro-inflammatoires dans le corps, ce qui augmente le risque de développer un certain nombre de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies neurologiques et principalement les maladies cardiaques. Selon certains sites web liés à la santé, voici quelques-uns des problèmes de santé associés à la consommation de gras trans. Cancer. Obésité. Asthme. Dégénérescence osseuse. Diabète. Maladie cardiaque. Diminution de la fonction du système immunitaire. Problème de reproduction. 2. TBHQ. TBHQ est un type de phénol. Des phénols de différents types sont utilisés dans la fabrication de colorants, de résines et même de désinfectants. Dans le cas de TBHQ, il est responsable de garder les pommes de terre de se gâter. Déjà. Il peut également être trouvé dans le biodiesel. Des études en laboratoire ont montré que cette substance a provoqué une hypertrophie du foie, des effets neurotoxiques, des convulsions et une paralysie chez les animaux. Cette substance a également été ajoutée à la liste noire du régime Feingold, destinée au traitement des personnes souffrant d'un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. 3. Diméthylpolysiloxane. Cet ingrédient difficile à prononcer est l'un des principaux ingrédients utilisés pour fabriquer Siyiputi. Il est également utilisé pour fabriquer des adhésifs, des mastiques d'aquarium, des cosmétiques et des implants mammaires. Cela peut être très dangereux car l'un de ses sous-produits, le formaldéhyde, est connu pour être toxique et il est classé comme cancérogène par le National Toxicology Programme. Depuis la première publication de ces données troublantes sur les ingrédients contenus dans ses frites, McDonald's s'est manifesté en créant une plateforme interactive sur son site internet avec une FAQ clarifiant les doutes sur son procédé de fabrication. C'est une bonne nouvelle, car cela montre qu'ils sont prêts à être plus transparents sur ce qu'ils mettent dans leur nourriture. D'un autre côté, rien n'a encore été changé dans sa recette originale pour les frites. La leçon que nous pouvons en tirer est que nous devons toujours prêter attention à ce que nous mangeons, et nous rappeler que tous les aliments ne sont pas préparés de la même manière. Être conscient des avantages et des risques que certains aliments peuvent nous apporter, nous met dans une meilleure position pour décider ce qui est le meilleur pour notre santé. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.